c'est le domaine des Jeux de France 2. Voilà, le samedi, on est là pour se distraire, et on est là surtout pour ce rendez-vous. Vous êtes très fidèles à ce rendez-vous de mots de passe. Applaudissez Sandrine et Nicolas. Alors, est-ce que ça vous a suffi, Sandrine, les applaudissements, Nicolas, ou est-ce que vous trouvez ça un peu mou? Oh, c'est un peu mou, on peut pas faire mieux. Oui. Ouais. Allez! Il faut être encouragé quand même. Exactement. Qu'est-ce qui vous a conduit à venir parmi nous, Sandrine? Ne me dites pas que c'est les 20 000 euros, non. Vous êtes au-dessus de ça. Non, vous rencontrez. Non. Ah bah si. En vrai? Ah bah oui. Ouais. Alors, Sandrine, vous habitez où? À Boussy-Saint-Antoine. C'est dans l'Essonne. Dans l'Essonne. Faites quoi, vous, dans la vie? Assistante bilingue. Ah oui, non, trois langues, vous. Trois langues. J'en utilise que deux au travail, mais je parle trois langues. Et alors, il y a évidemment le français, mais après... Le français, oui. L'anglais, l'espagnol. Montrez-moi les interdits, s'il vous plaît, tout de suite. Les interdits. Faites-les-moi en anglais. En anglais, OK. So, forbidden words, no compound words, no words from the same family, no words beginning by the same sound. N. Et mime, j'ai oublié comment on disait mime. Bah ça se dit pas, ça se mime. Ça se mime. And no... Like this. Voilà, sinon on entend. Bienvenue parmi nous, Sandrine. Merci. Nicolas, c'est un jeune candidat, il a 23 ans, il habite à Paris. Il est étudiant ou pas, non? Non, je suis plus étudiant, je suis community manager. Ah, c'est vous qui êtes dans les réseaux sociaux? Exactement, c'est les ça. Les mangas et tout ça, c'est vous? Oui, si on veut. Mesdames et messieurs, Nicolas va rencontrer Sandrine. Mais vous allez me dire, il manque quelque chose. D'habitude, à mot de passe, ils sont quatre. Ben, vous avez raison. Delphine McCarthy et à la musique. Delphine McCarthy et à la musique, qui sont de l'habitude d'émission et qui aiment faire jouer, bien sûr, et gagner les candidats qui sont avec nous. Donc c'est une bonne opportunité pour Sandrine et pour Nicolas. Vous allez bien, Delphine, ça va bien? Très bien, merci. Ah, Alain, ça va bien? Formidable. En forme? Ah, bon. En forme de quoi, je sais pas, mais en forme. En forme, bon. On va jouer d'abord, puisque maintenant on a vu en anglais les interdits, on entre tout de suite dans la première épreuve qui fait partie donc des qualifications. Tout le monde peut jouer à mot de passe. Tout le monde peut jouer à mot de passe. Nous avons maintenant, d'ailleurs, sur YouTube, notre chaîne mot de passe, des tas de parties que nous vous offrons avec des mots cachés. C'est vraiment très agréable pour passer un bon moment. C'est Delphine qui fait jouer Nicolas. Épreuve de qualification, 5 mots à sa disposition pour les faire deviner à son partenaire et 30 secondes pour ça. On y va. Cheveux. Capillaire. Œil. Cils. Toilette. Sanitaire. Chat. Litière. Passe. Prêtre. Curé. Avoué. Confessé. Steward. Hôtesse. Très bien joué. Très bien joué, Delphine. Ah ouais. On va faire mieux, mais c'est bien. Très, très bien joué. Hein. Ouais. Il y a juste Blueberry, BD, ouais. Je ne pouvais pas lire bande dessinée. 4 sur 5, parfait. Cils, litière, bien joué. Confessé, bien, avec avoué. Steward, hôtesse, même longueur d'onde. C'est une très bonne première partie, là. Cool. On est connectés. Ouais. On a la pression, hein, Sandrine. Alain va jouer... avec Sandrine. AB va jouer avec S, ABS, et pourtant ça ne va pas freiner du tout, voilà. Au contraire. Oh, ouais. Alors là. Vous êtes un maître. En passant. Allez, 30 secondes, on est dans le jeu. Ça tombe très bien. Alors. Bon, en fait, c'est facile. Préservatif. Capote. Tableau. Peinture. Outil. Pinceau. Oui.
Écrivain. Weber. Alphonse. Daudet. Aller. Retour. Synonyme. Venir. Étoile. Lune. Alors, 4. Très beau match. 4 c'est de sur la même 5. Famille, c'est ça. Étoile, constellation, le mois, devinez, c'est de la même famille, on l'a bipé. Mais Capote, Pinceau, Daudet, Venir, 4 à 4. Super, première manche également. Ouais, bravo, attention, super partie. 23 ans, Nicolas, parisien, va faire jouer Delphine McCarthy maintenant. 30 secondes, un point par mot. Arrêtez tout. C'est là que ça se passe. On y va. Canapé. Sofa. Parc. Canapé. Parc. Fauteuil. Extérieur. Oh, fuck. Passe. Passe. Paris. Capitale. Compétition. Foot. Voiture. Paris. Compétition. Voiture. Passe. Passe. Drink. Pardon. Drink. Oh là là. Drink. C'était bon. Non mais j'ai pas compris. Draining, j'ai pas compris. Drink. Drink. 4 pour l'instant. Plus 0, ça fait 4. C'est à Sandrine de jouer maintenant. À vous donc d'améliorer le score. Vous avez 4 points, une manche de retard. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe sur ce plateau. Moi-même, je deviens pas. Sandrine, à vous de jouer. Cyclone. Tornade. Monaco. Cyclone, Monaco. Tonnerre. Katrina. Passe. Passe. Citron. Orange. Pelure. Zeste. Plein. Vide. Étonné. Ébahi. Surprendre. Un cyclone Monaco. Un ouragan. Oh ouais, mais alors, étonné. Il a 23 ans, il le sait. Ah oui. Alors, ouais, d'accord, mais enfin, oui, d'accord, mais enfin. Scala, c'était le deuxième mot. Après, il y a eu vide, et avant, il y avait eu le zeste. C'était pour vous le zeste qui sauve, puisque vous avez eu et non pas deux le points. Qui tue. Voilà, 6 points à 4, 4 à 6. C'est bien joué quand même. Oui. Alors, on en est où? Est-ce que vous voulez changer de terrain, par exemple, comme on fait au football? Allez. Changement de terrain. Allez, on une équipe masculine, Alain, et Nicolas, une équipe féminine, Delphine et Sandrine. Nous sommes maintenant à 4 manches de qualification de ce qu'on appelle ici habituellement la finale. Et au terme de cette finale, la somme de 20 000 euros. Alors, le théâtre d'Alain Bouzic, cette pièce de mise en scène par M. Brécourt, David Brécourt, qui s'appelle « Ticket gagnant », quand on gagne au loto et qu'on n'y est pas préparé. Exactement. Alain joue avec Nicolas maintenant, et voici 30 secondes de jeu. Vous êtes prêts? Tout le monde joue? Pâtisserie. Boulangerie. Croissant. Chocolatine. Généralité. Viennoiserie. Vartan. Sylvie. Calme. Tempête. Synonyme. Ouragan. Calme. Agité. Passe. Fourchette. Couteau. Collé. Serré. Affranchissement. Affranchir, j'aurais dû dire. Timbré. Bien joué, hein, quand même, 3 points supplémentaires. Bien pour la viennoiserie. Ouais. Sylvie Vartan, ça fait au total 7 points à 6. C'est bien, c'est bien. Maintenant, c'est Delphine qui fait jouer Sandrine. Allez. Passe. Tennis. Sport. Gaël. Mon fils.
passe. Écolier, étudiant, sac, cartable. Amazonie, forêt. Tulipe, fleur, noyau. Pistil, noyau. Bulbe. Ouais, bulbe. Ah oui, ouais. Oui, oui. Bien joué. Mon fils Gaël, mon fils, très bon joueur, qu'on ne voit pas assez souvent d'ailleurs, jouait cartable et puis forêt. Et l'autre, c'était inauguré. J'aurais pu, je voulais aller vite, voilà. Me débarrasser. Oui. Absolument. 3 points, 9 à 7. Voilà, là, 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 voilà, là, là, c'est tendu, hein. Voilà, là, là. Alors, c'est à Nicolas, de jouer. Nicolas, avec évidemment des mots qui sont masqués. Comme ça, tout le monde va jouer, vous également. Vous n'allez pas voir les mots. On va être dans la même position que votre partenaire, à savoir Alain, qui va essayer de deviner les mots. Attention, 7 points, il faut au moins faire deviner deux mots. Vous connaissez parfaitement la règle. Maintenant. Et Jorine. Et Jorène. Meurtre. Assassinat. Passe. Passe. Main. Doigt. Autre. Auriculaire. Passe. Boom. Cyclisme. Vélo. Passe. Professeur. Maître. Méchant. Instituteur. Sévère. Ouais. Vous avez perdu un peu vos moyens. Ouais. Mais la pression de la finale, c'est fou. Hein. Assassinat, en plus, c'était bon parce que dès le départ, enfin, façon de parler, hein, on joue. Hein. Oui. Je disais assassinat, c'était bon. Bon. Non, mais dès le départ, ça marche entre vous. Après, le deuxième, vous avez eu raison de le passer, c'était Assouan, le barrage, l'Égypte. Ouais. Vous avez bien fait. Ouais, il faut se réserver pour plus tard. Fait. Mais sévère, strict. Rigoureux. Si vous le dites comme ça, il va le trouver tout de suite. Après, il y a bras, jambes, et après, vélo, bien. Alors, 2 points. On ne sait pas. Mais il suffit d'un point. Attendez, il suffit d'un point. Oh, Nicolas. Un point, et c'est Sandrine qui va en finale. Mais on ne sait jamais. Les mots sont cachés pour tout le monde. Sandrine, un mot à faire deviner. 30 secondes, 5 possibilités. Mots cachés, dernière manche de qualification. Tantantantant. Quasimodo. Esmeralda. Infirmité. Bossu. Passe. Passe. Poule. Coq. Joyeusement. Tristement. Californie. État. Ville. San Francisco, mais il y a deux. Célébrité. Hollywood. 4 points. J'ai de Los Angeles. Non, mais là, bien joué. 4, super. Mais super bien joué, là. On va avoir une super finale, j'en suis sûr. Car déjà, vous êtes la finaliste. Bravo. Elle a gardé son sang-froid. Sandrine, Nicolas, hein, t'es d'accord, hein? Ah oui, non, ouais. Très très bien joué. Très précise. Vraiment, vraiment bien joué, bien concentré. Vous qui nous regardez, vous avez envie de gagner la somme de 3000 euros que nous mettons en jeu chaque mois. Par tirage au sort, voici les indices, car nous cherchons évidemment le mot de passe. Il y en a 3 indices. Alors, il y a artiste, il y a cirque et bal. D'après vous, quel est le mot de passe que nous recherchons? Est-ce un jockey ou 2 jongleurs? Je vous répète les indices. Artiste, cirque, balle. Vous envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS au 72121 ou vous téléphonez au 3632, vous avez environ 5 minutes pour jouer. Et parmi les bonnes réponses, si c'est vous qui êtes tiré au sort, si c'est votre réponse qui est tirée au sort, vous gagnerez la somme de 3000 euros. Nicolas va être accompagné par Alain Bouzy du côté du public, finale féminine, car c'est Delphine qui va accompagner Sandrine en finale. Et c'est maintenant. Voilà Sandrine et Delphine, on regarde l'échelle des gains. Ah, cette échelle des gains, elle en a fait rêver des candidats depuis 5 ans.
1000 euros si vous faites deviner 5 mots sur 9 à votre partenaire. Sandrine, 2500 euros, c'est 5 mots sur 8. La possibilité, si vous arrivez là, non seulement d'avoir cette somme, mais en plus d'avoir le joker pour les paliers supérieurs. Palier supérieur, 5000 euros, c'est 5 mots sur 7. Mais peut-être que vous aurez envie de gagner 10 000 euros, comme je vous comprends. Il faudra faire deviner 5 mots sur une liste de 6. Et si vous voulez gagner 20 000 euros et vous en êtes capable, c'est votre volonté la plus affirmée peut-être. Il faudra faire deviner à Delphine McCarthy l'ensemble des mots sur la liste, à savoir 5 sur 5. Allez, la fille. 1 minute et 30 secondes. 3 indices pour faire deviner un mot, et tout mot passé en finale est un mot perdu, qu'on se le dise. Est-ce que vous avez des questions à me poser, ma chère Sandrinette? Non, c'est tout bon. Non, tout va bien? Tout va bien. Ok, vous avez un message personnel à adresser? Je salue mon fils, mon conjoint. Avec lequel, d'ailleurs, vous allez partir si jamais vous gagnez à Yellowstone? Voilà, en fait, c'est un parc que mon fils aimerait bien faire, donc voilà, suivant la somme que je gagne, j'aimerais bien l'emmener à Yellowstone. Aux États-Unis? Oui. Bien sûr. 5 mots sur 9. Alain Bouzig est là-bas avec Nicolas. Loser. Et je rappelle que vous pouvez, hashtag MDP, entrer dans la finale, dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas, c'est une façon de se réunir autour de mots de passe. Voici Delphine McCarthy, voici Sandrine, et voici la première minute 30. 5 mots sur 9. Facile, il y a des mots que tout le monde connaît, que tout le monde va voir, que tout le monde va découvrir, sauf Delphine. C'est parti. Blouson. Manteau. Cochon. Porc. Femelle. Truie. Druide. Prêtre. Astérix. Panoramix. Oui. Passe. Dingue. Fou. Substantif. Folie. Abeille. Miel. Parfait. Allez, 1000 euros. Pas de commentaires. On va tout de suite à 2500 euros, à moins que vous ne vouliez partir avec les 1000? Non, je vais essayer de tenter les 2500. 2500, c'est le palier. 2500 euros. Ah, je suis comme vous, je m'installe, je suis à l'aise, hein, on est tranquille, on est à la maison, là. 5 mots sur 8, Sandrine et Delphine. Mayonnaise. Bernaise. Tomate. Sauce. Sucré. Ketchup. Cigarette. Tabac. Récipient. Cendrier. Melbourne. Australie. Vœux. Souhait. Médecin. Docteur. Prescription. Ordonnance. Wow. Merci. 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 Précision, j'ai jamais vu ça. C'est rapide. Ah, c'est une machine c'est lapide, de guerre. C'est clair. Bam, bam, ah non, okay. Mais la précision. Ah ouais, non, mais là, c'est une machine de guerre. Vous avez l'habitude de jouer, hein, non? Oui. Ah ouais. Je regarde le week-end. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Alain? C'est son métier. Dans la vie, elle est joueuse de mots de passe. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est une profession et c'est pratique, hein. Non, mais en plus, c'est limpide, c'est bien amené, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Ouais. 2500 euros, cette somme est pour vous, quoi qu'il en soit, c'est bien. Alors, 5000 euros, avec ou sans joker? Sans joker. Sans joker. Cinq mots sur 7. 1 minute 30 secondes. Chaque mot vaut 1000 euros. Pas mal. On y va. Mmh.
Bracelet. Collier. Policier. Menottes. Passe. Voilage. Rideau. Lorraine. Alsace. Actrice. Bacal. Reculer. Avancer. Sable. Plage. Pila. Dune. Merci. Ah, la précision, mais bravo. Rien à dire, là encore, rien à dire, rien à dire. Ah, mais moi, j'ai rien à faire. Elle est tellement précise que c'est... C'est parfait. Bon, en revanche... Oui. On va se calmer. Non, non, ouais. Ne vous calmez pas. Attendez, quand on a la puissance de feu que vous avez, allez-y. Oui. Attendez. Oui, mais Joker. Ouais, Joker. Alors, vous avez gagné 5000 euros. Jouez-vous 10 000. Et si vous jouez 10 000, ce que je pense, à mon avis, les jouez-vous en vous assistant du Joker? Ou est-ce que vous allez garder ce joker pour le palier des 20 000, qui n'est plus un palier d'ailleurs, c'est le terminus. 1000. Alors je vais tenter les 10 000. 10 000. Alors, je vais les tenter. Par contre, je préfère quand même assurer. Alors attendez. C'est pas vous qui allez les perdre. Non, mais, Ne me dites pas que vous les tentez. Si vous prenez le joker, vous me direz simplement après si vous jouez ou pas. D'accord. Mais êtes-vous sûr de prendre le joker? Non, mais... Oui, je vais le prendre quand même. Je vais quand même le prendre. Mais oui, donc, je sais... non, mais c'est vous bien. Avez décidé, alors que pour l'instant, vous avez déjà 5 000 euros, de prendre le joker et après, vous me direz si vous jouez 10 000 euros. C'est votre décision. Oui. D'accord. Joker, demandez. Prenez votre temps. Je vais tenter. Oui. Vous jouez. Les gens ne se rendent pas de compte de la pression. Ne se rendent pas compte de la pression qu'on a quand on est ici. Quoi. Faire perdre quelqu'un une somme pareille, c'est. Ouais. Oui, mais faire gagner, c'est possible. Oui, ça. C'est bon, Delphine. 5 mots sur 6. Notre candidate Sandrine a vu les 5 premiers mots, c'était le joker demandé, il en reste un 6e. Au cas où vous en auriez besoin, vous avez 1 minute et 30 secondes, 3 indices. Bonne chance. Merci. Fromage. Gruyère. Nord. Maroilles. Voilà. Marcel. Proust. Oui. Habillé. Vêtir. Contraire. Dévêtir. Adam. Habillé. Nu. Ouais. Échouer. Réussir. Animal. Chien. Biche. Animal, biche. Fan. Mal. Ah, le cerf. Oui. Ah ouais, je suis trop contente. Ah bravo. Ouais. J'ai bien aimé Delphine, animal là, oui, alors. Bambi, meurt et l'autre. Je me suis dit, on va arriver au Brame, mais comment on va le faire? Voilà. Yes, 10 000, c'est bien. Alors, vous avez gagné 10 000 euros. Et alors? Il
restait du temps ou pas? Il restait à peu près 30-35 secondes. Hein. Oui. Il restait 30 secondes encore. Oui, à peu près. Vous l'avez fait en une minute. Oui. Et Sandrine, je peux vous poser une question? Oui. Pourquoi vous l'avez pris le joker? Pourquoi? Je pense la pression. Parce que... Voilà. Alors, vous avez deux solutions. Être raisonnable. Vous avez gagné 10 000 euros. Vous pouvez les remettre en jeu et gagner 20 000 euros. Arrêtez de dire non, oui, attendez. Laissez-la. Elle est grande. Elle est grande. Elle est majeure. Alors, prenez votre temps. Je dois vous dire la chose suivante. La seule chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que là, les cinq mots, vous ne les verrez pas, évidemment, et que vous n'avez plus le droit à l'erreur. Mais vous avez toujours pour cinq mots 1 minute 30. Quoi qu'il en soit, je vais vous dire une chose. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous êtes une brillante candidate et on vous applaudit. Merci. Merci. C'est gentil. Non, je vais m'arrêter. Vous avez gagné la somme de 10 000 euros. Très bien joué. Franchement, là, avec Alain, avec Delphine, avec Nicolas, avec Sandrine, on a fait une super partie. Voilà, vous vouliez me voir. Moi, c'était pas important. Plus important, c'était Delphine et Alain. Retrouvez-nous sur le site de France 2, mot de passe, et puis également sur notre page officielle, qu'il connaît bien, le garçon Facebook. À bientôt.